abonnés, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes vendredi, oui je fais en chanson. Nous sommes vendredi 15 décembre. Bah écoutez, moi ça va, donc qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Il est 11h50, alors je sors de la séance. Je me dépêche, c'est-à-dire que j'ai pas papoté avec les infirmières ni avec les copinous. J'ai pas le temps parce que nous partons en week-end, hein, je vous en avais parlé. Mais j'ai regardé la caméra, le camping-car n'est pas encore sorti. Ça veut dire que Eric n'est pas encore arrivé. Donc ça va. Je dois laver mes cheveux, enfin je vais me doucher. Oui, je disais que je vais me doucher, je vais laver mes cheveux. Parce que hier j'ai fait un masque dans mes cheveux. Après le bain, j'avais fait un masque. Et je l'ai laissé jusqu'au matin. Et ce matin, je me suis dit, bon, ce matin, je vais laver mes cheveux, quoi. Mais je n'ai pas eu le temps. Regardez-moi ça. Oh là là. Faites pas attention ici. Hein. Écoutez ma voix. Du coup, je dois laver mes cheveux. Enfin, voilà, quoi. J'ai bien dormi cette nuit. Mais c'était trop court. J'avais pas le courage de me lever ce matin. Ça a été difficile. Franchement, ça faisait longtemps que ça m'est pas arrivé de bien dormir comme ça. À la séance, je pouvais bien dormir. Simplement, c'est qu'ils ont parlé très fort. Parce qu'il y a des patients... on était à plus de patients et moins de personnel. Donc, c'est un petit peu compliqué. Je vais essayer d'attacher mes cheveux quand même. Hop. Parfait. Je mets le volant en automatique. Hop. Voilà, j'enlève le bouton. Hop, voilà, c'est bon. Et voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Hein. Et du coup, ça parlait fort, quoi. Même avec le casque, j'entendais, quoi. Donc moi, je me réveille. Hein. Et puis, c'est pas ça. C'est pas à cause de non plus. J'avais peur de ronfler, en fait. Et je me suis dit, bon... Dors pas trop bien, Sandrine. Comme ça, ce soir, tu vas bien dormir. Enfin, j'espère. Donc, voilà. Voilà, voilà. En plus, je me suis endormie assez tard parce qu'à 8h30, je dormais pas encore. Que d'habitude, à 8h15, 8h20, Sandrine, elle est dans les bras de Morphée. Et le médecin, il est passé. Il me connaît très bien. Donc, il me dit, alors, comment il va le camping-car? Il est propre et tout. À chaque fois, il me pose la même question. Ben, je dis, mon camping-car est toujours propre, docteur. Toujours. Il est prêt et tout. Je dis, oui, il est prêt. Alors, il m'a demandé où j'étais partie la semaine dernière. Parce que l'infirmier, il lui avait dit. Il lui a dit, Sandrine, t'es partie la semaine dernière. Pourtant, je lui avais dit. Hein. Il me dit, t'as été où? Alors, il me dit... Alors, je lui dis, j'étais dans la famille, dans les Vosges et tout. Ah ouais. Il dit, t'as fait un marché de Noël? Je voulais, mais il pleuvait. Ah ouais. Il dit, ça revient cher quand même. Hein. Il dit, quand on va là-bas, parce qu'il faut manger, il y a la route, surtout le gasoil, quoi, dans le camping-car. Dans le camping-car, on utilise 11 litres au 100. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas trop rouler vite, sinon la jauge, elle descend. Bon, ça nous arrive hein, de dépasser les 110, ça. Hein. Mais c'est très rare. Donc il faut le remplir hein, le coco là. Il est gros le mien, hein, je vous avais dit, moi il fait 8 mètres. Donc il est assez lourd quoi. Voilà. Donc il faut bien le nourrir. Et exactement, ça revient cher. Ça fait un trou dans le budget, mais c'est comme ça quoi. On se fait plaisir. Enfin, c'est plutôt pour lui. Mais entre parenthèses, il nous ramène quand même et il nous héberge. Donc voilà, puis après il me dit ouais, manger tout. Je dis ouais, je sais pas, moi il part jamais en vacances lui, ou je sais pas comment. Mais je sais que c'est
je sais pas comment je vais dire ça. Peut-être un gros radin, j'en sais rien moi, mais. Ah, je sais pas, bon après il fait ce qu'il veut, hein. Moi je fais ce que je veux, lui fait ce qu'il veut, hein. Moi, c'est mon argent, quoi. C'est mes économies, donc voilà. Bref, on s'en fiche. C'est pas le sujet, hein. Donc voilà, il me posait des questions comme ça. Puis je dis, oh, il faut bien se faire plaisir, hein. Sinon on sort jamais, quoi. Puis moi, Eric le fait pour moi, parce que c'est pour mon moral aussi, pour me changer d'air, parce que pas toujours voir la maison et l'hôpital. Et moi, pareil, quoi, pour pas qu'il voit que la maison et le travail. Donc, on essaye de faire ensemble. Et si on peut y aller, on y va, quoi. C'est sûr que, en fait, ce qu'on fait, je vais vous donner un exemple, hein. Moi, les prélèvements de mes factures, ce n'est pas tous les mois. Voilà, moi, je ne fais pas tous les mois, je paye quand j'ai la facture. Et du coup, le mois-là que je n'ai rien à payer, ben, je mets, je ne sais pas, je vais vous dire, 100 euros, voilà, 100 euros, et ben, je les mets de côté pendant l'année suivante, et après, je peux faire mes sorties. Voilà, après, on calcule, alors, voilà, puis après, ben, on a le 13e mois, voilà, enfin, voilà ce que je veux dire. On mettait de côté, on n'y touchait pas. Même quand il y avait des mois difficiles, on ne les prenait pas. Parce qu'on faisait comme si on ne les avait pas eus ou comme si on avait payé la facture avec. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne en fait. Et les mois qu'on peut, quand on a une paye plus grosse, voilà, on met de côté. Comme ça, on ne dépense pas pour rien et on ne sait pas où l'argent va aller. On sait que ce sera que pour les vacances. Là, vous voyez, après les fêtes, on recommence de mettre de côté pour juillet, août. Voilà. Donc, moi, nous, on fonctionne comme ça. C'est pour ça que je vous dis, il y a des mois, c'est vrai que ça nous est déjà arrivé d'être dans le rouge, hein. Voilà, on n'est pas... on est comme tout le monde, hein. Il y a des mois, c'est très dur. Mais c'est pour ça que je me dis, bah, c'est cool que je vais souvent au magasin pour faire des courses. Moi, j'ai des courses dans mon congélateur, dans mon placard. Donc, quand j'ai un mois difficile, bah, j'ai ce qu'il faut dans le placard, en fait. Donc, je ne m'inquiète pas plus que ça. Donc, voilà. Et puis, voilà, quoi. Donc là, c'est bizarre. Je n'ai pas d'appel de Eric, ni de Julie, ni de Vincent. Il n'y a personne. Donc, est-ce que je vais arriver en premier? Ça serait cool, parce que je n'ai pas encore préparé mes affaires. Hier, trop la flemme, fatiguée. Bon, après, c'est ce que je dis à Eric, on n'a plus qu'à prendre. Moi, tout est repassé, tout est rangé. Donc, j'ai plus qu'à prendre. Donc, ça, voilà, ça va aller vite. Et puis, on ne part pas 15 jours non plus, quoi. Eh ben, j'ai trop parlé. Donc voilà. Et puis me laver. Et puis si j'ai le temps, manger un petit peu. Sinon, ben, on mangera sur la route. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais bon, c'est pour ça, là, on n'aimerait pas partir trop tard. Parce qu'on aimerait arriver avant qu'il fasse noir, en fait. Et puis s'installer, quoi. Alors, non, je ne vous ai pas dit où j'allais, mais je ne le dis pas. À vous de deviner où je vais. Et je vous dirai ça demain, dans le prochain vlog. Alors, il ne faut pas que j'oublie mes calendriers. Alors, je ne sais pas si je vais le prendre, mais je pense que oui. Les calendriers, ah ben ouais, moi, je suis obligée de les prendre. Alors, lui, met son clignotant, mais il n'avance pas. Il y a la peine. Ouais, si, les calendriers, je vais les prendre. Par contre, je vais pas prendre le lutin parce que dans le camping-car, on peut pas faire des bêtises, en fait. Il n'y a pas grand-chose. Donc, oulala. Le camion, il allait doubler. Il n'y a pas plus la voiture. Oulala, j'aurais vu en live. Misère, misère. Et du coup, je le ferai à la maison quand je rentrerai. On sait pas quand on rentrera. Soit demain, soit dimanche, on verra.
ma gorge qui me gratte. Terrible ça. Ah ouais, j'avais pris ça comme boisson. Vous savez, j'aime pas. J'aime pas du tout. C'est vrai que le iced tea. Bon, puis en plus, ça c'est pas de la bonne marque. Hein, mais la marque, là, Lipton, je le bois, mais un petit verre. Et là, j'ai eu des nausées. Ça m'a. Alors, j'ai eu du mal à dormir aussi. Ça m'a pris longtemps. J'étais dégoûtée. Je me mettais du côté droit. Donc, ça m'appuyait sur l'estomac. Donc, ça me donnait des nausées. J'étais obligée de me mettre de l'autre côté. Mais de l'autre côté, je ne suis pas à l'aise. Après, ma couette, elle était trop courte. Donc, j'avais peur d'avoir froid. Oh là là. Ouais, c'était vraiment. Alors, vous me voyez fort là, mais c'est parce que je regarde dans mon rétro. Et puis voilà, du coup, hein, mais bon. Là, il pleut plus, donc c'est cool, il fait 10 degrés. Il faisait pas froid, hein. Enfin, il fait pas froid. Donc ça va. J'espère qu'on aura du beau temps aussi, qu'il va pas pleuvoir. Pas comme le week-end dernier. Enfin, on va pas au même endroit, mais bon. On verra bien. On verra, on verra. Ouais. Je mange un morceau de pain vite fait après. Tant que Eric y charge et tout. Il n'y a pas grand chose à charger, hein, comme je vous ai dit. Comme on est parti le week-end passé, Eric y a mis le gaz, l'eau, tout ça. Il a même déjà vidé les toilettes. Déjà quand on était rentré. Hein. Et du coup, on n'a plus qu'à mettre nos vêtements, quoi. Et puis, faire le plat, quoi. Ouais, faire le plat. Bon, ça, on le fait juste à côté de chez nous, quoi. C'est pas très loin, la station. Parce qu'après, sur l'autoroute, c'est trop cher. Hein. Donc, c'est impossible. C'est impossible. Oh, j'ai faim. Je vais mettre ça parce que le ciel est blanc et moi j'ai mal aux yeux, hein, comme d'habitude. Alors hier, j'ai fait les pâtes. J'avais les pâtes coquillage. Oh, c'est trop bon. Mais Mary qui a adoré parce que la sauce, elle rentre bien dans les pâtes. Franchement, c'était trop bon. Et le beefsteak. Oh, c'était de la bavette. Oh, elle était trop bonne. Et franchement, j'aimerais bien aller en racheter... si on rentre pas trop tard, soit demain, soit dimanche. Enfin, demain, c'est rien. Je pense que c'est ouvert le dimanche, un match. Mais si on rentre le dimanche soir, je pourrais pas y aller, quoi. Alors, franchement, c'était trop bon. Je suis régalée, moi. En Amérique, hein. Et du coup, Vincent vient pas avec nous, du coup. Donc, il reste à la maison. Amélie devait venir à la maison pour checker un petit peu ce qu'elle devait faire, s'occuper des chiens et tout. Et du coup, je lui dis, bah, je dis oui, Vincent, il vient pas du coup. Donc, tu n'auras pas besoin de venir ce week-end. Donc, elle dit, bah d'accord. 19h, 19h30, pas d'Amélie, bah, je ne viendrai pas, puisqu'elle sait que Vincent ne vient pas. 20h, je la vois arriver, toute seule. Ah, elle dit, puis nous on est en train de manger. Elle dit, ah bah ça tombe bien, elle dit, parce que moi j'ai faim. Donc ça m'a étonné qu'elle était là à 20h et plus toute seule. Et puis qu'à la fin, je dis, il y a un problème. Je dis, oh là là, s'il y a de l'orage en l'air, Quentin il va passer un mauvais quart d'heure. Ah, ça c'est clair, hein. Faut pas qu'elle vienne à la maison et puis qu'elle est pas bien. Hein. Si c'est à cause de Quentin, je le fracasse. Donc je lui dis, bah qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, bah rien maman. Je dis, t'es là à 20h, tu viens toute seule et puis t'as faim. Je lui dis, il se passe quoi? Elle dit non, elle dit Quentin est au boulot. En fait, il fait l'inauguration des nouveaux bureaux. Elle dit donc, ils sont partis au restaurant avec tout le personnel. Ah, je dis, ah d'accord. Ah, je dis, à un moment, j'ai eu peur. J'étais comme ça déjà. Elle dit, mais non, elle dit, t'inquiète. Bon, après, je l'ai vu à son visage quand même. Mais on peut être comédienne quand même. Hein. Elle me dit, non, non. Elle dit, mais là, elle dit, comme j'ai rangé un petit peu la maison, et puis après, Quentin, il arrive entre deux. Donc on a papoté un petit peu avant que je vienne, elle dit comme ça je l'ai vu un petit peu. Et elle dit
Ben, elle dit, comme j'ai pas fait à manger. Ah ben, je dis, ouais, ben, je dis, vas-y, papa, il va te servir. Parce que moi, je voulais la servir. Mais moi, j'avais pas fini de manger. Eric, il avait presque fini. Il me dit, ben, laisse. Il dit, je vais la servir. Et du coup, je dis, tu veux ta viande comment? Bien cuite, Seigneur? Elle me dit, à point. Et du coup, Eric l'a servi et tout. Puis, elle est restée jusqu'à 23h. Parce qu'après, Julie est arrivée. On a papoté, elle parlait de son boulot. On a papoté jusqu'à 23h, on n'a pas vu l'heure. Et c'est pour ça qu'on a été couché très tard. Et après qu'on a eu du mal à se lever. C'est la faute de Amélie, ça. Donc j'étais contente qu'elle était venue. Ça m'a fait plaisir. Ouais. Et en plus, j'avais pas vu ses cheveux en vrai. Parce qu'elle avait coupé, elle avait été chez le coiffeur samedi dernier. Du coup, elle est bien, ça fait beau. Moi, il faut que j'y aille aussi parce que mes cheveux gris. Ils arrivent. Ouais, ils arrivent. Donc je sais pas si je vais faire une couleur et puis que j'irai chez le coiffeur en vacances. Parce que moi j'aime bien, quand je suis en vacances, j'aime bien aller chez le coiffeur. Je sais pas pourquoi. Et je pense me faire peut-être une petite couleur. Ou j'attends, mais non, je peux pas être comme ça pendant les fêtes, c'est pas possible. Ça va faire trop moche. Bon bref, on verra bien. On verra la semaine prochaine, déjà on va faire passer notre week-end. Et après on verra. Bon allez, je vais arrêter de papoter parce que les vlogs dorment. Dure trop longtemps. À chaque fois que je fais les montages, j'en ai pour une heure de vidéo et je me dis encore une heure. Oh là là, vous allez en avoir marre, je vous jure. Papotage d'une heure, c'est trop. Donc je vous dis à tout à l'heure, je vous reprendrai sur la route, mais je ne vous dirai pas où on est, donc je ferai attention au panneau. À tout à l'heure. Bon les amis, je vous reprends. Il est quelle heure? Je sais pas. Il est quelle heure? Ah, il est pas l'heure. Bah, il va être 7h. Il est 19h30. Déjà? Ouais, déjà, ouais. Déjà? On s'est arrêté au magasin. On a été à match pour faire quelques courses pour ce soir. On n'est pas encore arrivé à destination qu'on veut. Hein. Sarreguemines. On va arriver que demain, quoi? On a Sarreguemines, là. Tu veux parler à ma place ou quoi? Non, je suis dans le nom de la ville. Et du coup, je sais même plus ce que je dis. On va arriver que demain. Donc là, on va se poser, en fait. Et on va arriver. Qu'est-ce qu'il y a encore? Si tu verras que Julie. Oh, c'est pas possible, là. On va y aller que demain. Donc là, on vient d'aller faire des courses. Il fait froid, quand même. Il fait combien de degrés, en fait? Je crois 4. Je vois pas. Ben, je vois pas. Il fait noir. Ouais, il doit faire entre 4 et 5. Ouais. Ouais. 4 et 5 degrés. Donc là, on est sur le parking de match encore. Julie, elle est là, elle est en train de ranger les courses. Ouais, bah, fait pas grand chose. Hein, hein? Elle fait pas grand chose, ou non, Julie? Et on est fatigué quand même là. Ah ouais? Ah ouais. La route, c'était long, mais en fait, c'est parce qu'on a. On a pris un autre chemin. On est passé par l'Allemagne, c'est mieux. Ouais, on a passé par. Ouais, mais je dis pas où je vais en fait. Faut qu'ils. Je vais leur dire que demain où je vais. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut pas le dire. C'est une surprise. On est parti à Anvers. Et on a passé. Par Anvers. Mais tais-toi ouais. Par une autre route. Oh, pour pas se choper les bouchons comme le week-end dernier. Et puis ça a été, on n'a pas eu de bouchon en fait. Hein. Il y a eu un petit ralentissement, mais on n'a pas eu de bouchon. Moi j'ai bien fait de prendre mon polaire. De toute façon, je le prends à chaque fois. De toute façon, dans mes vidéos, vous le voyez à chaque fois. Hein, j'ai mon polaire. Et franchement, j'ai bien fait parce qu'en dessous, j'ai qu'une petite chemise. Donc franchement, dis quoi, ça m'aide. Julie. Ça m'aide beaucoup. Voilà. Bah là, on en a eu pour 70€ encore. Hein. Cher. En plus, c'est que pour manger ce soir et petit déjeuner demain. Ah ouais? Bon, après, il va rester de la viande quand même. Hein. Non, quand même. Il va tout manger. Allez, go. Et puis voilà, du coup, bah, je vous ferai montrer le retour de course une fois qu'on est posé. Je vais mettre ma ceinture quand même. Ah, je te l'ai dit. Et puis. Surtout que la police, elle traîne quand même. Les gendarmes sont juste. Ouais, les gendarmes. Et puis, il y a beaucoup de radars aussi. Hein. Et puis, voilà, je vous ferai montrer les courses et puis ce qu'on va manger ce soir. Alors, j'ai trouvé un nouveau thé. Je sais pas c'est quoi la marque. Je ne connais pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis pas obligé de la sortie. Ah.
Bah ça doit être par là. Ouais. Et je connais pas du tout. Du coup je l'ai acheté et on va le goûter ce soir. Et puis j'ai acheté aussi une moutarde et je vous la ferai montrer également. Là c'était, c'est un petit pot quand même, hein. Il est pas très grand mais par chez nous il y en a pas. Donc on va le goûter ce soir. Par contre j'ai oublié, c'est de prendre la sauce au poivre. On aurait dû en prendre. Mince. Quoi? Ah ouais, je sais pas s'il y en a dans l'armoire là. Non, même là, il faudra qu'on regarde les courses. Hein. Non, à droite, il n'y a rien, tu peux y aller. Il faudra qu'on check les courses hein, dans l'armoire. Parce que des fois, si on doit racheter du truc. Donc, et puis en même temps, après, j'ouvrirai le calendrier de l'Avent. Tant que les deux, il faut en manger. Ouais. Bah qui c'est qui va faire manger, c'est Julie. Bah je sais pas, je peux pas moi. Comment ça tu peux pas? Moi je m'en fous, j'ai dit que j'avais pas faim. Et du coup après j'ouvrirai le calendrier de l'avant parce que j'ai pris. Et j'étais obligée de les prendre. Je peux pas faire ça. Déjà là je suis pressée de les ouvrir. Mais l'après-midi, bon, je pouvais pas filmer, ça servait à rien du tout. C'était que la route et puis j'avais rien à dire. Mais là on est pressé d'être posé, de manger, la douche et après de se reposer. Ça va nous faire du bien. Surtout qu'on est un petit peu fatigué là. Un petit peu beaucoup même. Je pense qu'il va y avoir des ronflonflons ce soir. Julie elle a dormi un petit peu après-midi, elle a dormi là derrière. Ce soir elle ne saura plus dormir. Et puis après je vais envoyer un message à Vincent aussi. Alors Mathieu était tout triste, il me regardait à la fenêtre, j'allais verser ma larme encore un petit peu. Ah ouais? Oh, mon bébé d'amour. Bon c'est rien, Vincent, je lui ai dit tu t'occupes bien de lui, hein. Tu joues avec, je crois qu'il y avait quelqu'un qui m'appelait. Ah ouais? Hey, c'est un truc gonflable et sa main elle faisait ça. Et je dis occupe-toi bien de lui, hein. Tu joues avec, tu lui donnes des gourmandises. Voilà. Parce que sinon, si je suis pas là, il est pas bien Mathieu en fait. Je le sais. Hein. Mais là, je pouvais pas le prendre. Hein. Bah, si Vincent y aurait venu, j'aurais été obligée. Mais ça aurait été compliqué quoi. Et là, bon après c'est jusqu'à dimanche. Hein. Après on rentre. Bon allez, on va se poser et puis je vous reprends après. Bon ça y est, nous sommes installés. Alors c'est un grand parking spécial pour camping-car. On est qu'à deux. Il y a nous et il y a quelqu'un à côté. De quoi trois? Mais non, je parle pas de nous trois. Ah, compris. Et du coup, bah, en attendant, je vais ouvrir les calendriers de l'avant. Parce que les courses, elle les a mis dans le frigo. Donc elle va tout me ressortir. Puis voilà. Par contre, je veux bien que tu me donnes un coca parce que j'ai super soif. Julie. Ben salut Julie, je suis pas con là. Julie, s'il te plaît. Un coca. Parce que ça me gratte trop la gorge là. Sinon je vais faire que tousser. Eh, hey, bien joué, Julie. Hey. Les gros mots. Ouais, bah elle a cassé les œufs. Allez Julie! Paniquez pas! Bon allez, je vais ouvrir mon calendrier en attendant. Hein. Alors, en premier, toujours celui à Gisèle. Allez, toujours par Gisèle, hein, je commence hein, comme d'habitude. Alors, je me mets comme ça parce que j'ai oublié mon trépied, je suis dégoûtée. Du coup, je vais essayer de chercher où j'ai mis. Ma grande perche qu'on fait des photos là. Julie, il faut te calmer. Hein. Elle est énervée. Elle. Oh, on va se régaler ce soir. Oh, bah. Avec le petit thé que j'ai acheté. Mmh. Et Julie, des chocolats milk. En plus, ils sont trop bons ceux-là. J'ai déjà goûté, ils sont trop bons. Donne-moi mon coca là. Bah, il y a. Je vais te le donner, t'as parlé.
J'ai trop soif. Hop, les petits chocolats. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Dis-moi ce qu'elle fait, Julie. Mis à part des conneries, Corinne. Je sais même pas comment elle, pourquoi elle a fait ça. Oh, j'avais trop soif. J'avais pris un coca, c'était mon dernier à la maison. On l'a bu pendant la route. Et j'avais trop soif. On avait pris de l'eau, hein. Et j'en voulais pas. Allez. Numéro 15. Alors ici, ça va, il est ici tout en haut. Numéro 15. Tu nettoies la boîte. On va mettre un peu de chauffage. Il est mis ? Oui, je l'ai mis. Je l'ai mis, patronne. Je l'ai mis, patronne. Tu vois, par moments, j'ai du mal à l'attraper quand même. Ah, ça y est. Ouh, on va y arriver. Quoi ? Alors, vous me sortez les courses ? Répétez 50 000 fois ici. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Un Hydra Boost. Une brume parfumée. Ouais, mais attends, une brume parfumée. Alors, je pense que ça doit être pour les cheveux, tout ça. C'est comme celui que tu m'avais acheté, je crois, Julie. Ouais, et tu vois, celui-là, c'est le bleu. Moi, j'avais le rouge. Et le rouge, j'aimais pas tellement. Comme d'habitude, elle veut pas parler. Elle a peur qu'on la reconnaisse. Elle fait des manières comme d'habitude. Bon, allez. Calendrier, c'est bon. Tiens, Julie, réceptionne. Faut ranger à fait parce que sinon, ça va être encombrement. Ça, je ne le range pas. Je le mets ici, à côté de moi, à ma place. Allez, les courses. Ça. Ça. Ça, ça, ça. Il manque ça aussi, oui. Bon, on a pris trois packs d'eau de Vittel. On a pris un gros pack de coca, donc on ne vous le fait pas montrer parce que c'est dans la soute. Ah, déjà, on a tout rangé. Il manque les pains au lait aussi. Julie. Non, mais Julie, elle croit qu'elle est en vacances, elle. Ouais. Et on bosse ici, hein. Vous avez vu comment elle est, hein? On n'aura pas à manger ce soir. C'est tout ? Ouais. On n'a acheté que ça ? On n'a acheté que ça. 70 balles. Bah, et puis ton gros pack de coca ? Ouais, bah ouais. Quand même. Ah ouais, bah ouais. Bon, allez, on est parti. Ça met le nom, bah... non, alors, on a pris des steaks hachés. Alors, comme je vous ai dit, on a été chez Match. Donc, c'est écrit Cora, mais il travaille avec Cora. Donc, on a pris des steaks hachés comme ça, surgelés. Il n'y avait rien d'autre. Franchement, en viande, il n'y avait rien. Et toi, tu as mangé quoi, Julie? En fait? On a pris des œufs. Ah, d'accord. Julie, elle mange des œufs. Donc, steak haché, parce qu'il n'y avait rien pour elle. Donc, galère. Donc, on va manger des steaks hachés ce soir avec des pommes rissolées. C'est pour ça que je voulais une sauce au poivre. Il faudra regarder, Julie, s'il y a de la sauce au poivre. Ça sera moins sec. On a pris de la salade, on va faire ça en entrée, bon. Avec du maïs, c'est ça, t'avais envie de maïs toi, ouais, bah ouais. Dans sa salade il y avait envie de maïs, encore des manières quoi. Allez vas-y, sors ça là, attends, ça, ensuite on a pris des jus de fruits, alors Julie elle s'est pris un Tropicana pomme pressée. Le chef, non c'est même pas, bah t'as pas pris de jus d'orange pour toi? Ah si, hein. Ah si, tu me l'as pas donné. Il est dans la soute. Ouais. Julie, elle a pris un pur jus d'ananas. Donne-le. Jus d'orange, écoute. Ouais, il manque ton jus d'orange. Hein. Tu l'as mis avec les packs d'eau. Le pack de coca. Moi, j'ai pris un Sunny Delight. Il était à moins 40%. Donc, je l'ai pris. C'est un acidulé Florida. Moi, je préfère le doux, mais ça me dérange pas. Là, là il y a du pamplemousse dedans, de l'orange. Si, avec le pack de coca, à l'eau de source. Donc pour non, demain matin. Alors. Bah non, elle l'a pas le dit. Bah je. Ah il est là. Excuse. Je l'avais pas vu. Voilà. Il a pris son jus d'orange bio pressade. Bien fait bêtement, Celui-là est trop bon. Franchement, il est bon.
Moi qui n'aime pas le jus d'orange du commerce, des fois je prends vraiment ça et il est très bon. Ensuite, j'ai pris du jambon par 4 tranches, c'est à moins 30%. Alors ça, moi j'aime bien le matin aussi avec des œufs. Pourquoi pas une omelette? Et ça va, il est beau quand même. Donc j'ai pris ça. Hamburger, parce que le chef veut manger un hamburger. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu es en train de discuter à deux, franchement, bête comme ça. Ouais, il avait envie de manger des hamburgers. Donc il va se faire un hamburger. Du coup, il a pris le fromage en hamburger. Il en a pris 2 paquets pour en avoir au cas où. Hein. Et quoi? Je vois, au cas où. En cas où. Ça, mon produit, je vais le mettre là parce que sinon. J'ai pris des clémentines. Là, au moins, il y en avait chez Match. Des clémentines de Corse. J'espère qu'elles sont bonnes. Bon, ça sent pas. Il y a 1 kilo. Origine France. Ah oui, parce que c'est en Corse. Ouais. Voilà, donc 1 kilo de clémentine, on va goûter ça après manger. Pour le petit déjeuner, des pains au lait. Voilà, ça c'est pour moi et Julie. Et moi, j'ai pris ça en plus pour mettre dedans. La gourmandise. Et j'ai trouvé la moutarde à l'ail des ours. Ah si, aïe, tu m'as fait mal, c'est quoi? Là. Il manque le thé. Quel thé? Que j'ai acheté. La moutarde ail des ours. Ouais. Ouais, j'ai baissé. Eh, vous êtes pénibles, là, tous les deux. Hein. C'est elle. Hein. C'est pas possible. Hein. La vidéo, ça va être une catastrophe. Hein. Non, mais c'est parce que je peux pas vous les faire montrer. Hein. Mais ils sont en train de faire un boucan. Allez, chut. Des vrais enfants. Ça, c'est quand je prends mes machos. Bien. Pour qui? Pour macho? Ouais, bah, je crois pour pas, là. Bah, non, mais c'est ouais, c'est ça, ouais. Attaque. Donc, allez, je vais y arriver ou pas? Capitule. Vous voulez pas aller prendre à votre maison les deux là? Je récapitule. Hein? Donc je disais, j'ai trouvé de la moutarde à l'ail des ours, 100% naturelle. Une graine de moutarde cultivée en France. C'est de la marque Allélor. Franchement, on connaît pas, ouais. Tu peux prendre quoi ça? Non, tu attends que j'ai fini. T'as vu, je l'ai dit. C'est elle, hein? Non, mais dis donc. Non, c'est parce que t'es en hauteur, Julie. Je l'ai éteint. Ah mais tu sais, Julie, elle mime. On va apprendre les langues des signes avec elle. Donc voilà, on va goûter. Franchement, je vais goûter. Mmh. Oh, ça sent bon. Ah oui. Heureusement qu'ils sont propres quand même. Mais on va le goûte un peu, toi. C'est bon, on dirait que c'est un petit peu sucré. On dirait du Piccalilli. Ça pique pas. Hmm? Ça pique pas. Un goût de Piccalilli? Ouais, ça goûte Piccalilli en fait. On sent pas l'ail, non? Si, tu sens quand même l'ail. Ouais? Ah ouais? Ah ouais? C'est parce que moi j'ai pas pris un gros. Ah, si, tu sens quand même. Ça, c'est pas non plus. C'est pas la folie. Et le thé que j'ai pris, c'est de la marque Pagès. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Infusion bio, saveur yuzu et mandarine. Qu'est-ce qu'il y a? Yuzu. Hein? Yuzu. Yuzu. J'ai dit quoi? Yuzu. C'est pareil. Donc, ça, je vais goûter ce soir avec mes petits chocolats. Enchaîne. Bah, tu peux prendre les courses, hein, si tu veux, là. Enchaîne. Bah ouais, mais... Bah, tu peux passer, toi. Toi, c'est rien, toi. Ah ouais, mais c'est pas la raison. C'est pas la raison de ne pas faire. Donc maison française et puis il y a 20 sachets dedans. Donc je vais goûter ça et puis je vous dirai ça demain. Conditionné en Auvergne. Hein? Quoi? Conditionné en Auvergne. Et moi, comme vous savez que j'aime bien tout ce qui est agrumes. Sinon après il y avait rhubarbe, il y avait menthe, il y avait citron verveine, citron et citron vert. Fruits des bois, je crois, il y avait aussi.
Donc moi j'ai choisi celui-là. Voilà, la marque Pagès ou Pagès. 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 Ah ouais, il n'y a pas de U. Ouais, ouais, mais tu sais des fois les noms, hein, c'est tellement bizarre, on sait pas trop. Hein? Bah non, mais je sais pas, je connais pas cette marque. Alors il y a 59,9% de citronnelle bio. Il y a 7% de mandarine. Et du yuzu est 4%. Et des écorces d'agrumes. Température 90 degrés. Allô. Ah bah tu vois, faut jamais faire bouillir un thé. Ouais, tu vois, des fois on regarde pas et de 3 à 5 minutes. Voilà. Juste ici en bas, 90 degrés et 3 à 5 minutes. Bah moi ça va, je le laisse assez longtemps dans ma tasse. Le temps que ça refroidit un petit peu. Oh, je suis pressée de goûter. Du coup, je le mets là avec mes chocolats. Voilà pour ça. Ça c'est dans l'armoire ici. Au petit déjeuner. Bon ben voilà, c'est tout pour les courses du jour, pour une journée. Bon c'est rien, demain on mangera un croissant. Un resto, hein, Julie l'a dit. Ah Julie, elle nous paye un resto. Un resto demain, elle a dit. Wouh, Julie, Julie. Ah ouais, une bonne raclette, Julie. Un tartiflette. Ou une fondue. Hein? Ouais, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'a pas mangé. Ça, une fondue. On devait en faire une en plus à la maison. Hein? Ouais, c'est vrai. Bon. Vous pouvez commencer à faire à manger tant que je discute. J'ai jamais vu. Avec des bouillons, ça a l'air trop bon. De quoi? Fondue asiatique que je t'ai fait voir. Ah ouais. Faut essayer de trouver l'appareil. Faudrait essayer de trouver, ouais. Hein? Bah, elle commence à faire à manger. Bah, ouais, mais attends, faut qu'on finisse ouais. Les trucs là-bas. Bon, allez, je vais les aider parce qu'ils sont perdus. Ouais. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure. Et puis voilà. Je vous ferai montrer mon assiette également. À tout à l'heure. Bon, voilà, les amis, il a fait cuire ses hamburgers. Regardez. Ah, c'est chaud. T'as pas mis ton fromage? Si, dedans, il est fondu. Ah. Tu bois pas. Et à préparer l'ail des ours. Et moi et Julien, on entend les pommes rissolées, le steak haché. Voilà. Du coup, c'est monsieur qui est au fourneau. Nous, on regarde. Bah ouais, on peut pas. À 36 dans la cuisine. J'ai enlevé mon élastique de mes cheveux. Je suis en train de me faire un petit massage des cheveux, là. J'étais un peu flou, là. Quand on enlève l'élastique, ça fait mal aux cheveux après. On a envie d'un bon massage de cheveux. Ça fait du bien. Bon, j'attends mon assiette et puis après, je vous finirai le vlog. Ah, deux spéciales aujourd'hui. Bon, voilà mon assiette. C'est une assiette camping. Hein. C'est quoi? Sauce au poivre. Ah oui, pas beaucoup. Hein. Ouais, pas beaucoup. Hein. Sauce au poivre. Ouais, c'est bon là, moi. Ouais, c'est bien là, sauce au poivre. On va se régaler. Bon, bah, bon appétit. Hein. Bon, bah, les amis, vous avez vu mon assiette. On passe à table. Du coup, je vais finir ce vlogmas ici. J'espère qu'il vous aura plu quand même. Avec ce petit retour de course, l'ouverture des calendriers, un petit peu de blabla. Et puis, bah, on se retrouve demain pour. Un nouveau vlogmas pour de nouvelles aventures. Et puis, je vous dirai où je suis partie. À vous de deviner et de me dire ça en commentaire. Et puis, bah, bon appétit à vous également si vous passez à table. Et puis, bah, on se retrouve demain. Je vous fais de gros bisous. Et puis, bah, prenez soin de vous. Et à demain. Bisous, à demain.